Bonjour, bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble une soupe de confit de canard au chou. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour réussir notre recette. 2 cuisses de canard confites, un chou vert qu'on ne va pas utiliser en entier, hein. Des feuilles de laurier, des haricots secs, ici de l'ail, des carottes, des lardons, poireaux, navets, de l'huile de tournesol et un beau céleri. Alors, on met aussi, avant de commencer à préparer les légumes, 1,5 litre de bouillon de volaille pour mouiller en fait la recette. Alors, on va commencer par s'occuper de nos légumes. Alors, faites attention quand vous coupez des choux verts parce que ça peut quand même être dangereux. Donc nous, avec 1/4, on a largement assez. Alors, le chou, on le réserve à part parce que le chou, on ne le fait pas suer. Alors, les carottes, pour une préparation comme celle-ci, elles ont été nettoyées, elles sont toutes propres. Ne vous embêtez pas à enlever la peau. Donc ça, vous gardez et on coupe en morceaux assez gros. Alors ça, on doit quand même un petit peu éplucher les navets. Hein. Ils ont une peau assez épaisse. Et c'est beaucoup moins amer quand on les épluche aussi. Hein. Alors, la découpe des navets. Donc suffisamment gros pour qu'on puisse les retrouver à la fin de la cuisson. Voilà, on prend une belle branche de céleri. Alors, vous mettez les feuilles, ça donne vraiment beaucoup de goût. Un petit peu d'huile. Alors bien sûr, si vous avez un pot de graisse de canard, forcément c'est encore meilleur. On va terminer en préparant notre poireau. Même chose, pas trop petit. Toujours dans les légumes à suer. On va mettre la feuille de laurier dans le bouillon. Comme ça, on est sûr de ne pas l'oublier. Donc la matière grasse est chaude. On ajoute nos lardons. On va venir mettre nos légumes. On a nos légumes qui ont sué. On va mettre dessus le chou. On va y mettre aussi les haricots secs. On va venir poser dessus nos 2 cuisses de canard. Et là, on vient arroser avec le bouillon de poule. En fait, doucement, hein, pour ne pas vous blesser. Il n'y a plus qu'à fermer. Je pense qu'on en a pour une petite quarantaine de minutes. Bon, on ouvre. Surtout, ce qui est intéressant, c'est ça, regardez. Donc là, on va voir le confit qui tient encore. On va le mettre dessus. Regardez ça, c'est vraiment moelleux. On va goûter ça. Ça, je vous garantis, ça va réchauffer toute la famille. Bon appétit!